Salut, Jamim, je dis à nous prendre décision pour nous continuer ensemble avec l'étude d'Apocalypse. Nous te faisons un petit poser, nous te fait quelques temps nous pas de étudier sur question Apocalypse là. Mais merci pour votre patience, merci parce que vous êtes capable de comprendre nous aujourd'hui. Papa, excusez-nous, Jamim. Nous souhaitons que l'autre des vidéos, l'autre recevoir la vidéo, ça, nous souhaitons que vous partagez avec Jamim. Quittez commentaire, posez question si vous avez une question. Retirez tout doute que vous avez dans la question de la Bible. Nous sommes là pour nous aider. Nous ne sommes pas c'est nous-mêmes celles qui connaissent tout le bagage. Mais ensemble, nous avons une solution, nous avons une réponse. Parce que la Bible a une réponse à toutes les questions que vous-même vous avez posées. Parce que la Bible, c'est lui-même qui répond peut-être. Apocalypse, qui ça veut dire? Apocalypse, ce n'est pas un livre qui signifie finissement. J'ai plus de monde comprendre. Parole, ça ne pas signifie finissement, Apocalypse. Il signifie plutôt révélation, même j'en ai dans la Bible. Étymologie, mot Apocalypse, là, c'est que il sorti dans deux mots grecs, Kalypto et puis Apo. Kalypto, c'est un mot grec qui signifie l'ombre, l'ombrage, ou du moins fait noir. Apo signifie retirer de, séparer de, ou bien sortir de. Léopo, les deux mots, ça y est, Apo et puis Kalypto, divine by Apocalypse en français, qui traduit sortir dans l'ombre, retirer dans l'enfer noir, dans le créole, sortir dans l'enfer noir. Léo sortir dans l'enfer noir, ou venir dans la lumière. Léo venir dans la lumière, ou venir éclairer les ça. J'ai Apo éclair, ou après qui peut camper, et là où qui peut camper, ou est capable de faire choix, que vous voulez. C'est ça fait Jésus-Christ lui-même. Livre et livre, ça, qui est l'Apocalypse, qui est un dernier avertissement pour le peuple sous la terre, pour capable sauver nous, en bas catastrophe qui est pour passer, en bas assaut diable à côté, Satan lui-même, l'a cherché moyen pour détruire, l'a cherché moyen pour jeter nous dans tout, pour le fouer nous dans le noir. Mais bon Dieu lui-même, il n'a pas caché rien, il voulait retirer nous dans le noir. C'est l'objectif, livre-là, qui c'est Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1er, verset 1er, il commençait comme ça. Révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas révélation de Jean, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ même qui voyait révélation ça pour nous. Pour révéler nous tout ça qui va le passer. Qui Jean plein rédemption et qui plein bon Dieu fait pour sauver l'humanité. Et qui direction que vous devez prendre. Livre ça, libre en direction. À travers l'histoire, les étudier le livre ça ensemble avec l'histoire parce qu'il y a pile prophétie qui ont accompli déjà. À travers prophétie qui accompli déjà, on a une histoire qui dit mais telle prophétie mais qui l'a accompli et mais qui l'est telle prophétie mais qui signe qui montre prophétie à lui commencer mais qui signe qui montre prophétie ça l'a accompli déjà. Et bien là où une histoire qui a accordé ensemble avec prophétie et laisse avoir une marche à suivre. Pour comprendre la prophétie qui vient pour arriver, qui l'a commencé, qui l'a fini et qui côté où il est campé. Livre ça, lui-même, il est là pour éclairer nous, pour montrer nos chemins. Mesdames, messieurs, si on ne pas comprendre livre ça, les amis, pas mal interprété. Parce que dans l'Apocalypse 22, dans le finissement, à chapitre 22, il y a une malédiction qui est prononcée pour tout le monde qui lit livre ça. Et qui ajoutait. Si vous ajoutez, eh bien, bon Dieu, a plagué fléau sur vous, sur tout le monde qui ajoutait. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Vous connaissez ça, ça veut dire le retrancher par dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est l'ancien, c'est que vous ne pouvez pas l'ancien. Zamim, faites attention, pour lire, pour lire un chapitre d'Apocalypse, pour ne pas ni ajouter, ni retirer. Si vous ne comprenez pas, cherchez aide, cherchez l'autre monde. M'a déposé question. Posez moi nous t'en est capable de l'Apocalypse. Posez une question. Parce que toute preuve là dans l'Ancien Testament,
Si vous lisez le livre Apocalypse, vous pas joindre une explication dans l'Ancien Testament, vous cherchez une explication dans l'autre livre. Chers amis, faites attention pour deux bagages à vous arriver. Soit pour fléau qui n'a pas tombé tomber sous, ou du moins pour ne pas retrancher dans la dévia qui doit pour pas faire partie du monde qui passe au rire. Mesdames, messieurs, faites attention. Mesdames, messieurs, nous comptons parce que vous avez suivi la vidéo. Merci pour votre patience ou parce que vous attendez nous avec attention. Nous souhaitons que lors d'une vidéo, pas qu'un mieux pour vous-même seul. Partagez avec les amis, partagez avec la famille. Vous êtes capable de sauver la vie. Parce que la Bible, ça, qui nous mène là, chaque monde a une Bible dans le monde. La Bible, ça, elle transforme la vie. Elle transforme en pile le monde qui est dans le chemin pour faire ça qui est mal. Je vous dis à mesdames, messieurs, nous souhaitons que le livre, ça, elle transforme la vie. Et lui porter succès pour la famille avec tous les amis. Que le Seigneur bénisse. Les amis, là sur la chaîne, là, mais qui j'en pour abonner. Vous pouvez aller sur l'icône qui est rouge à droite, là, il est marqué abonner. Vous pouvez cliquer sur lui, bouton ça. Et là, vous finissez, vous pouvez cliquer sur cette cloche là pour capable recevoir toutes les notifications. Pas oublier pour partager la vidéo. Partagez la vidéo à mes amis. Partagez la famille et comme ça, on va pas courager. Merci.